Bon, une équipe a profité des déboires de Ferrari, encore une fois, c'est Mercedes. Gros rythme hein, de Mercedes, bon, rythme moins grand que celui de Max Verstappen. Parce qu'encore une fois, Pérez aux abonnés absents, il s'est fait atomiser par les deux Mercedes, il faut le dire. Il y a vraiment que Max Verstappen qui est capable de tirer cette équipe vers le haut, décidément chez Red Bull en ce moment. C'était pas le cas forcément en début de saison, mais là, c'est clairement le cas depuis plusieurs courses. Alors, du coup, Hamilton déclare qu'il aurait pu jouer la victoire éventuellement sans le problème de DRS en qualif. J'étais en difficulté en début de course, je n'étais pas sûr de rattraper les gars devant, mais petit à petit j'avais un meilleur équilibre. J'ai pris un bon départ aussi et je veux aussi remercier l'équipe d'avoir continué à tout donner et n'avoir jamais abandonné durant cette année difficile. Ouais, alors le départ, effectivement, passer les deux Alpines dès le début, c'était primordial pour Hamilton. Dommage, j'ai pas pu passer Norris. Sans ça, ça aurait été encore mieux, je pense. Mais franchement, il a fait du bon boulot au départ. C'est incroyable de faire un double podium à deux reprises, George n'a pas eu de chance et les autres ont encore un peu de marge sur nous. Mais on se rapproche, c'est une façon incroyable de débuter la pause estivale. Sachant qu'on a plus de performances et qu'on se rapproche des gars devant. Bah non, c'est pas qu'il a pas eu de chance, Russell, il a pas eu, il a rien eu de cassé sur sa voiture ou quoi. Hein. Je pense qu'il était plus lent, c'est tout. Alors les anti-Hamilton là du début de saison, hein. Je vous attends bien maintenant. C'est qui est devant Russell maintenant, régulièrement? Le mec part 7ème, Russell part en pole, il finit 2ème, largement devant Russell. Vous m'expliquez les anti-Hamilton là? Il est fini tout vraiment, Hamilton? Ouais, je suis pas sûr en fait. Je crois que vous l'avez bien dans le cul là. Hein. Hamilton ne pensait pas que les températures basses de ce dimanche joueraient en sa faveur, et il regrette un peu le problème mécanique des qualifs. Je pense que le fait qu'il fasse plus froid a bien fonctionné pour nous. Je ne peux pas exactement vous dire pourquoi je suis, mais je suis content. J'espérais de la pluie à la fin pour attaquer Max, mais j'ai manqué de tour. Ouais, oui, la pluie est arrivée 5 ou 6 minutes après, au moment du podium, quoi, en fait. Elle a vraiment tombé à ce moment-là. Pas de bol, hein. Avec une meilleure qualif et un DRS fonctionnel hier, on aurait joué la victoire, mais terminé deux fois de suite deuxième, c'est incroyable. George Russell termine troisième après avoir mené tout le début de course en gomme tendre, le Britannique n'a pas réussi à faire fonctionner ses pneus médiums et a vu la victoire lui échapper, profite Verstappen. Il reste néanmoins très satisfait de sa performance. En début de course avec les pneus tendres, je pensais qu'on pouvait gagner. J'ai pris un bon départ et j'ai fait un bon premier relais. Mais après en médium, et avec l'arrivée de la pluie, j'ai eu des difficultés. C'est incroyable. C'est un incroyable travail de l'équipe avec la pole hier et un podium aujourd'hui. On fait des progrès, je suis très content du travail accompli. Le grand défi était d'avoir le bon timing stratégique dans des conditions délicates. C'était difficile de gérer les pneus. On s'est arrêté très tôt lors des deux relais. On essaie de garder les pneus, mais il faut attaquer au mieux possible. C'est pas facile de faire les deux, mais néanmoins, c'est bien d'être sur le podium. Ouais, double podium de Mercedes encore, qui finira par rattraper Ferrari, je pense. Je pense honnêtement que Mercedes va finir P2 constructeur cette saison. Bon, évidemment, ils vont pas rattraper Red Bull, parce que même si Pérez ne marque pas beaucoup de points, Verstappen gagne tout le temps, donc bah, il gagnera tout le temps. C'est comme ça, voilà, il finira sûrement avec. Une centaine de points d'avance sur le deuxième. À la fin de la saison, on fera les comptes. Vas-y, on ressortirait en 31 juillet 2022, je prédis, au moins 100 points d'avance sur le deuxième pour Max Verstappen. Voilà, je lance la prédiction. Vous me suivez ou pas du coup? Moi, je pense qu'il y a déjà 80 là. C'est franchement, c'est jouable hein, pour Verstappen. Hein. Si ça continue comme ça, et si Ferrari fait autant de la merde sur les 9, les 8 ou 9, 8 courses qui restent, ou 9, peut-être 9 du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, ok, 9 courses. Allez, ok, c'est validé, 100 points d'avance, au mieux, au plus, au minimum, pour Max Verstappen. Alors, qui sera le deuxième du coup? Mais je pense que ça sera pas Leclerc, le deuxième du championnat 2022. Ça sera peut-être Pérez, ou Sainz, ou peut-être une Mercedes, une des deux, je sais pas. Faudra voir, c'est encore trop tôt pour le dire, mais clairement, Ferrari, c'est fini le titre. Et c'est fini la deuxième place au constructeur bientôt. Voilà mes prédictions. Ciao.